Samedi 24 août 2024, les proches d'Alain Delon se réunissaient à Douchy pour ses obsèques. Anouchka Delon s'est éclipsée en fin de journée, le visage grave. Samedi 24 août 2024, les proches d'Alain Delon lui adressaient un dernier au revoir. Mort dimanche 18 août 2024, le guépard laisse derrière lui trois enfants, des petits-enfants et des amis. Ils se sont réunis en petit comité en sa demeure de Douchy pour lui rendre un ultime hommage, lors d'une cérémonie assurée dans la chapelle de son domaine. Au cours de ce moment de recueillement, Vincent Lindon, qui porte une grande admiration à l'acteur, a lu un texte, comme le relataient nos confrères de BFM TV. En ce jour spécial, toute la famille d'Alain Delon était plus unie que jamais. Après des mois de discorde autour de l'héritage de l'acteur, Anouchka, Alain Fabien et Anthony Delon étaient main dans la main pour ces derniers instants aux côtés de leur père. Producteur et ami de la famille, Norbert Saada, a confirmé au micro de BFM TV, samedi 24 août 2024, que Anthony Delon, son frère et sa sœur avaient mis de côté les frictions. Anthony m'a dit, dans ces moments-là, pas de guerre. Donc ils ont décidé tous les trois de se réunir et d'aller jusqu'au bout pour la mémoire de leur père. Anouchka Delon rend un dernier hommage à son père. Quelques heures après son arrivée à Douchy, Anouchka Delon est ressortie du domaine le visage grave. Derrière de grandes lunettes de soleil, la fille d'Alain Delon s'est installée dans sa voiture aux côtés de son mari, Julien de Reims. Le comédien et père de son enfant, un petit garçon prénommé Lino, était au volant de la voiture. C'est avec une grande solennité que la fille du guépard s'est éclipsée en toute discrétion. Une émotion se dégageait de son visage, à l'image des mots qu'elle avait employés avec ses frères pour évoquer le décès de son père, dimanche 18 août 2024. Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que son chien, Loubo, ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Un immense chagrin en ce jour d'adieu.